Déjà 7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33, Port-au-Prince. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous jeudi, pour nous présenter toute information qui a dominé l'actualité. C'est déjà 25e jour pendant l'année. Nous souhaitons passer une très bonne journée et un très bon jeudi sur télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui abdominent l'actualité, le président de la République, Jovenel Moïse, trouvé là actuellement dans le pays Italie, côté l'Abgué, pour discuter avec Tokay italien. Chef de l'État qui est avec les premiers dames de la République, Martina Moïse, président du Sénat de la République, Joseph Lambert, et président de la Chambre des députés, Gary Bodo, Abgué, pour capable rencontrer avec chef de l'Église catholique, Papa François, dans le Vatican. Ambassade Japon bay Haïti 5772 tonnes d'iri. Ambassade la remet un bureau monétisation et développement qui est pour Sega BMPAD dans ça hier mercredi 24 janvier 2018 là. Au niveau parlement haïtien, gagnon entente qui jouait dans un quatre blocs politiques qui était inscrit dans bureau chambre député en bloc ça aussi APH Vérité, OPL avec Alielio, GPEP et puis GPS. Yo gen pour capable départager 20 commissions entre yo d'après ça qui sorti dans séance plénière qui déroulé mardi passé à dans chambre député. Cependant, séance pas drivé bout. À l'étranger, trois moun mouri dans un accident train qui fait un grand matin là dans ville Milan pays Italie. Plusieurs centaines d'autres moun sorti blessés là-dedans, 10 trouvé dans un état bien grave. C'est pour ça à quel point n'a pas pour capable porter pour un journal là n'a pas pour se pas déplacer n'a tout. Nous retournons pour développement information. Merci pour fidélité ou attention à édition nouvelle c'est là. Rapidement, je nous te dis dans grand titre, président République Jovenel Moïse qui gagne ensemble avec lui, première dame République Martine Moïse et puis président Sénat République Joseph Lambert et président Chama député Gary Bodo qui était payant hier mercredi 24 janvier pour capable renio dans pays Italie. Chef l'État a gagné pour lui capable discuter avec Tokay italien li et puis rencontrer chef l'Église catholique là Pape François. John Ebika Seyusa et Jean-Naël Duvernay a présenté nos contre-tu. Voyage officiel ça a mené président République Jovenel Moïse à Cresmam délégation dans le Vatican à Rome. C'est chef l'Église catholique là Pape François qui a bien pour recevoir chef l'État dans le Vatican. Pendant ces jours, président Jovenel Moïse a bien pour chita parler avec plusieurs autorités dans le pays Italie, parmi eux, président italien Sergio Mattarella et président conseil ministre italien Paolo Gentiloni Silveri. Pour mettre un bout dans le voyage officiel, ça, président Jovenel Moïse a bien pour rencontrer avec directeur général programme alimentaire mondial là, et puis directeur général Fonds international développement agricole. Là. Délégation a retourné dans le pays dimanche 28 janvier 2018. Là. Ambassade Japon par Boïsite by Haïti 5772 tonnes d'iri. Ambassade la remet BM Pada Donsa hier mercredi 24 janvier. Cargaison d'iri sa rentre dans le cadre de coopération entre Haïti et Japon. Une relation zamitaille qui dirait depuis plusieurs années. On suit un compte rendu avec Antimas et puis Logo Darly Jean-Jacques. Cérémonie s'est réalisée dans la 9e section communale Cabaret dans Lafito. Ambassadeur Japon dans le pays d'Haïti, Yoshiaki Hata, renouvelé en vie pays d'IA pour continuer à porter aide et assistance par le pays d'Haïti. Diplomate l'a déclaré, dirisa ta doit aider dans diminuer quantité de monde qui pas ka manger dans le pays d'IA. Si, caravane de changement qui marche, qui donne encore plus de résultats avec alimentation, comme la provision du riz, c'est possible que l'autosuffisance, s'il monte, ce n'est plus nécessaire d'avoir le don du riz. Sous Bopal, Fizeme Ignace Saint-Fleur, directeur général BM Padla, attire attention sur Valais avec l'importance de don Dirisa pour le développement pays. Il explique que Dirisa a dû ajouter sur le riz local là qui sous marché. Un riz de qualité supérieure qui comporte deux
deux aspects. Il y a un groupe, il y a une bonne partie qui vient des États-Unis et une autre partie qui vient du Japon. C'est en total 92 000 sacs de riz que le président de la République, à travers la caravane, est en train de donner de résultats qui étonnent ses adversaires, qui laissent pantois, qui laissent confus ses adversaires. Et bien sûr que oui, tous les paysans en parlent, c'est pour la première fois, disent-ils, pour les répéter, qu'ils ont eu de récoltes assez, qu'ils qualifient de surprenantes. Bureau monétisation programme aide à développement BMPAD, c'est l'unique institution dans l'État qui, d'après loi 4 janvier 2008, là, doit recevoir aide à don pour vendre, pour faire l'argent. Nous pouvons aller dans le dossier université, puisque il y a un fonds cap appuyer recherche. FAR, c'est un nouveau programme en financement travail recherche dans l'université de l'État d'Haïti. Pour attirer l'attention de la population sur ce programme, une équipe de télévision nationale d'Haïti rencontrée hier mercredi 24 janvier, directeur recherche dans UEH, Bogenson André. Yon lot bo ekipa TNH la te pale tout ak responsable et puis quelques étudiants qui nan faculté droit ak science économique sous programme financement cela. Woodline Wella ak Jordani Bozela a dit non plus. Fonds ça qui environ 30 millions goud pral couvrir financement projet recherche, création laboratoire recherche et puis mémoire étudiant dans divers niveaux dans UEH la. Pour exercice fiscal 2017-2018 la, étudiants qui ont fait mémoire dans le niveau licencié ont venu à location entre 15 et 20 000 gouttes. Premier versement, c'est 50% pour professeurs. Premier versement pour étudiants, c'est 50 et 75%. Professeur à temps plein, ils ont gagné jusqu'à 5 mémoires, ils ont encadré. C'est-à-dire que sur 4 mémoires, ils ont déjà gagné un prime. Parce qu'en tant que professeur à temps plein, ils sont obligés de se et encadrer 3 étudiants chaque année. 4e, il y a un bon prime, 5e, il y a un bon prime. Et si vous voulez encadrer 10, vous pouvez gagner prime pour 10 ans, seulement gagner prime jusqu'à 5e étudiant. Et professeur partiel, là, temps partiel, là, gagner prime à partir de premier étudiant. Faculté de sciences économiques, c'est une entité étudiant mémorant qui a des difficultés économiques pour payer professeur pour encadrer le travail. Dans le cadre du programme allocation, ça, plusieurs étudiants entités ça déjà postulé. Nous-mêmes, côté panneau, dans la faculté de droit, nous avons plus de 80 étudiants qui postulaient. Parce que c'était une date limite que vous avez banon, ok? Plus de 80 étudiants qui postulaient. Et si vous avez continué, nous avons plus d'étudiants toujours. Peut-être que vous avez capable de pour financer les étudiants. Il y a quelques étudiants qui critiquaient, dirigeants FDS et eux, ils ont dit qu'ils manquaient pas d'informations pendant le recrutement pour le programme. Les étudiants souhaitaient que le processus de recrutement continue. Circulaire, ça a mis à bon garantie, je crois que circulaire a fait environ 2 semaines. Et la population qui a doué circulaire, là, yon a voué sujet yon aller avec le professeur Cabron Kadé, yon pa get en wel. Si yon bagay qui fait à la volée, si yon bagay a fait en courri. Parce que la faculté de droit, si yon bato, si yon entité qui gagne plus étudiants dans l'université, si yon entité qui gagne plus étudiants mémorant. Nous profitons de ça pour nous capables de prolonger le délai pour étudiants capables de jouer une possibilité, pour capables de jouer un encadré, rentrer en contact avec un encadré qui voulait encadrer yon. Et aux mêmes personnes pour proposer sujet mémoire afin que vous capable jeune possibilité pour bénéficier fonds ça qui est disponible pour vous. Pour ça qui concerne possibilité pour étudiants mémoire des facultés qui en crise participer dans programme là directeur recherche UEH là Bogenson André préciser pour sciences humaines et technologie normalement nous pas de problème. Il suffit que étudiants gagnent un cadre parce que les facultés ça fonctionner hein, sur le plan administratif pour vous toucher. Bon, qui des matchs qu'a fait pour ceux qui besoin voyager, etc. Étudiants qui besoin notre show et y'a qu'à jeûner. Donc, dès que étudiant grand cadre et que lui prend contact avec les responsables de chaque faculté, ça y est, pas gagné pour pénaliser étudiant, pas pénaliser, même si c'est dans l'ethnologie, même si c'est dans la faculté des sciences humaines. Embaqué, c'est une organisation tout neuf qui lance mardi 23 janvier passé à. Qui prend pour lui capable faire promotion de la langue créole haïtienne. Coordonnateur général Embakeya France Grégoire fait connaître, il prend le travail pour tout le monde capable de reconnaître créole là comme une langue même genre à toute l'autre langue. Marie Jolie avec Henri Robert Chéri a dit non plus.
Ambassadeur élèves et étudiants embarqués, c'est une association qui va travailler dans la tête collée à l'Académie créole haïtienne dans faire promotion langue créole. Coordonnateur général embarqué à France Grégoire a expliqué motivation. Embarqué gain permission pour faire promotion pour langue créole là, pour qu'il dit créole là, pour identité nous, pour nous aller tout côté dans le pays. Et embarqué c'est dans l'école que nous créons dans l'école yo depuis petit monde gain dans 9e année gain 14 ans arrivé dans 25 ans nous créer embarqué. Ambassadeur ça yo nous gain pour nous faire conférence, faire promotion ensemble, faire séminaire ensemble avec eux, pour nous faire tournée nationale ensemble avec eux, faire tournée touristique ensemble avec eux, pour nous découvrir qui richesse qui gagne en dans langue, pour nous découvrir qui richesse qui fait pays à l'igne. Et puis après cinq ans, problème créole la gagne, pour nous gagner un créole n'a parlé, pour nous parler avec fierté, pour nous parler sans babouquette. Et ambassadeur ça yo, yo gagne pour yo gagne pour le travail, pour yo gagne pour le travail, pour faire promotion pour créole là, pour faire promotion pour créole là. Et dans 10 ans, pour nous gagner un livre créole yo, pour nous gagner un livre scientifique yo, pour nous gagner un livre technologie yo. Et là pour mon n'a parlé créole, pour pas besoin de parler créole, pour pas sentir bon pour parler créole. Yo na académicien yo, Gérard Marita Dieu applaudit l'initiative ça pendant souhaiter gain plus jeunes qui intégrer association académie en content en pile joindre force association professeur langue créole yo qui dans plusieurs départements journée aujourd'hui au contraire académie créole la taille main joindre l'autre association professeur langue créole dans sud-est dans sud dans grandance. N'a travaille pour ça académie créole la bon rôle même pour essayer faire ça mais surtout académie créole la quoi dans jeune yo. Et dans le dernier mois créole là, c'était moi créole avec un thème génial à nous parler créole sans babouquet. C'est thème ça, nous aujourd'hui à embarquer à continuer. Embarquer à continuer avec une force plus gros et puis côté embarquer gain un idéal, une seule langue officielle. Et académie, il a besoin jeune ça yo. Parce que académie a travaillé pour demain. Et génio, c'est yo force demain, hein? C'est yo qui demain pour le monter drapeau créole là bien haut. N'a précisé embarqué c'est une association qui gagne la donne professeur langue créole qui sorti dans nord, nord-ouest, centre, Artibonite, l'ouest et action sociale. Nous prêlé dans parlement haïtien sous bisne dans Port-au-Prince. Côté chambre député a organisé mardi 23 janvier passé une séance plénière dans l'idée pour faire débat sur inscription groupe et bloc politique qui doit présider diverses commissions permanentes. Entente qui rive joindre en quatre blocs politiques qui étaient inscrits dans bureau chambre député bloc ça yo CAPH OPL avec allié Lio GPEP et GPS qui gagne pour capable départager 20 commissions sa yo entre yo même. Roosevelt Desrosiers ak André Chéri a présenté un reportage. C'est une ambiance contradiction mes ententes débat ou déroulé dans séance plénière ça. Chaque député nan façon pa yo tap défendre bloc politique pa yo par rapport ak intérêt yo gagnen pour diriger yon commission permanent. C'est si tout groupe député non aligné qui pat inscrit dans bureau et puis, qui n'a pas besoin d'aucune commission qui t'a montré des accords, surtout à Kakosa. Et mon intervention, c'est pour vous demander de vous plier à ces points de droit, notamment l'article 28.2 qui fait obligation à ce que l'opposition soit représentée au sein des commissions et ce, de manière proportionnelle. Deuxièmement, si, s'agissant du rapport qui a été trouvé, entre les présidents de l'Europe, ce rapport n'est pas valide, ce rapport est frappé, dévalidé. Cet accord n'est pas valide pour la simple et bonne raison. Cet accord va à l'encontre de l'article 44. L'article 925 du Code civil, qui fait si toute convention légalement formée tienne mais de loi pour ceux qui les ont faites. Et bien ça nous empêche de faire marche arrière. Parce que collègue Pido, on estime collègue, il vient de confirmer pour l'Assemblée qu'il a signé. Et quand il a été signé, il a possédé toutes ses capacités. Il n'a pas été forcé, il n'a pas été battu. Collègue, ça résonne sur un exemple.
mais ils disent à l'éternel qui se défait. Oui, c'est pour ça que je fais une négociation. Jusqu'à présent, pas les mots qui comptent négociation. Mais la négociation, par rapport à 10 minutes avant, c'est comme 4 minutes à 5. Chaque année, c'est une négociation de l'école. On peut les négocier encore. Il va faire ça. Président Chambre député Gary Baudot exprime satisfaction li pour accord qui joint entre quatre blocs politiques. Il a annoncé diverses autres séances pour faire suite à accord ça. Il y a un accord qui a été trouvé entre les différents blocs politiques régulièrement inscrits au niveau de la Chambre des députés. Donc, le bureau a le travail pour faire une conférence des présidents, pour que la conférence des présidents rapidement mette la Chambre au travail. Donc, son nouveau bureau qu'il a, ça fait une semaine. Et puis, nous avons travaillé sur du joie. Je nous disais, il faut que le débat soit fait. Nous continuons à faire débat. Et c'est un accord qui a été trouvé pour pouvoir et partager et les responsabilités au niveau du leadership et des différentes commissions au niveau de la Chambre. Donc, on prend par exemple APH, le bloc majoritaire, qui désormais a 13 commissions. Il y a OPLA qui a 3, il y a GPEP qui a 2, il y a GPS qui a 2. Donc, ils ont joué un accord sous des accords. Il faut dire que faut nous féliciter et les différents présidents de bloc qui ont fait preuve de leadership pour y aboutir avec accord ça et son accord historique dans la mesure où lui permettent que nous mettez chambre députée au travail. Donc c'est ça relé peut-être Greenlock aux États-Unis les grands conflits peut-être entre l'administratif et le gouvernement après ça qu'a passé là la question budget, mais ce n'est pas le cas. Donc là les grands conflits côté les différents blocs pour coca joindre accord sous des accords. Séance plénière ça dans la Chambre des députés a été finie en boulatia à cause de quelques députés qui pas satisfaits sous façon quatre blocs politiques yo te réparti entre yo 20 commissions permanentes yo. Dans sens ça, président Chambre Basla mandé pour continuer débat yo dans une prochaine séance. N'a toujours été dans Parlement haïtien député Post Alliance Sina La Bertrand mandé pour président Chambre député en tourner sous décision là dans cadre accord sous partage commission en différents blocs dans Parlement. Député a fait connait l'a empêché séance faite dans Chambre là tout autant député yo indépendant yo pas fait partie de commission ça yo. Élisée Kolo ak Moïse Obiste sous place. Ma vie j'ai perdu devant la majorité, je fais point de droit, je viens de doublement l'autre point de droit, je perdu, je abandonné. Mais je vous dis, pour les collègues, anciens amis, ou bien amis, s'il veut, Gary Baudot, font séance, il faut le tourner sous décision le premier, qui c'est arbitrairement. Je fais 4 points de droit, l'autre fait point de droit, pas de tranché, le président pas de tranché. L'autre fait point de droit, c'est pour le tenir compte de point de droit et puis pour stopper toute bagarre. Et s'il pas tourné ça? Et s'il pas tourné, par contre disait dit fait pas le prendre en parlement, par contre disait arrêter ou pas l'arrêter, mais pas jamais gain séance. Moi-même moi assume le. Non, m'attendre de guerre parce que Che Guevara son médecin même j'avais, il dit celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter. Et même ma rebelle d'hier Jean, il dit Cuba. 4 points de droit, mon premier article et 44 dans le règlement intérieur qui dit normalement bloc a toujours entendu mais finalement faut attendre et position opposition qui dit faut que nous membres dans presque tout ça qu'a fait en parlement. Député Mibale a lui-même sous bon côté Paul Abel de Colline fait connaître toujours une discussion sous partage commission dans chambre député à chaque année. Député qui t'a parlé mercredi 24 janvier 2018 là encourager bureau à joindre entente sur répartition commission yo. Kolo Elizer ak Moïse Obiste sous place. Traditionnellement au niveau de la Chambre des députés, la question relative à la formation des commissions permanentes toujours suscité des débats de manière très agitée et c'est encore malheureusement le cas et cette année, tout juste après l'ouverture de session ça, côté gagnant de difficultés pour commission yo rivé constitué, parce que bloc politique yo, député yo aspiré à des commissions et dans une conception, je dirais très haïtienne. Dans une conception, si j'ose dire, très simpliste, on a l'impression yo gagné de commission, yo estimé qu'ils aient gros commission, gagné qu'ils aient petit commission. Donc,
ce qui fait que la tâche n'est pas facile à gérer. Et c'est dans le cadre de discussion ça yo, le bureau de la Chambre des députés l'été accordé avec président Bloc yo le temps pour yo te négocier, discuter et joindre un accord. Et ceci pendant des heures de discussion, les présidents des blocs yo joignent un accord et lecture de accord ça li était faite en séance. Premier accro qui gagnait, c'est le fait que quel que soit accord, l'Assemblée est souveraine. Donc il a fallu que l'Assemblée ait sanctionné accord ça, quitte à ce que président Bloc yo représenté députés qui adhéraient avec différents Bloc yo. Dans le dossier santé auxiliaire et infirmière polyvalent qui était formé dans le cadre d'accord entre Haïti, Brésil et Cuba, mande autorités concernées pour capable respecter promesse yo te fait pour capable nommer dans système là. Agence santé yo menacé pour capable déclencher un mouvement protestation si autorité yo pas répondre à revendication yo. En nous suivant extrait dans micro Midray Milias avec Michel Joseph. Nous-mêmes auxiliaires infirmières polyvalents qui t'es formés et diplômés dans l'École nationale formation technique en santé. Dans le cadre d'accord tripartite Brésil, Haïti et Cuba. 2014-2018, ça fait nous 4 années depuis nous gradier sous bannière MSPP. Même à cause là, c'était auxiliaire infirmier polyvalent, inspecteur sanitaire avec ASCP, agent de santé communautaire. Nous-mêmes qui c'est premier dans l'échelle là, nous pouvons jamais joindre la nomination nous toujours après promesse de l'État et fin fait nous. Pourtant, inspecteur sanitaire avec agent de santé communautaire joue une lettre déjà et commencé travail. Yo poko jambe nous aucun résultat pendant que nous soumettons un diplôme nous n'amène nous. Depuis plusieurs jours, la mairie commune Delma mobilisée pour capable craser caille à l'autre installation qui fait un saut au toit dans la commune cela. Magistrat principal à Delma Wilson jeudi renouvelé détermination li pour capable changer visage. Commune Delma. Antimansa et Eve Pierre a présenté nos reportages. Rentrée Delma 19 là, c'est un exemple. Magistrat Wilson jeudi déclaré, mairie a pas battre devant aucun monde qui a empêché circulation monde avec bien en dedans commune. Magistrat jeudi annoncé, il y a pile disposition qui prend pour porter soulagement dans condition la vie monde dans municipalité. Son travail comme d'habitude que nous-mêmes nous fait pour nous voir dans quelle mesure que nous gagnons pour nous voir. Comment nous capables de mettre un peu d'ordre au niveau de commune. Nous avons pile plein pour Delma 19, c'est-à-dire un grand étonnement. Nous arrivons hier, nous passons. Nous gardons des décembre pour ça, nous faisons tellement saisir, nous obligé sur le vif, nous obligé de prendre des décisions et puis démolir tout ça, vous mettez illégal. C'est-à-dire pas de bon bagage, vous mettez illégal et puis vous avez toute histoire, vous écrire illégal ou prendre papier, vous craser tout ça, vous avez papier. Ça, c'est un principe que nous avons au niveau d'Elma, vous mettez, nous retirez. Magistrat, j'ai dit encourager contribuer à bien payer taxes sur deux mairies. Magistrat, arrêtez quoi? C'est des voix citoyens ça cap aider avancement mairie. Nous devons, c'est-à-dire ça aussi une série de bagages initiatives que mairie supposé prendre pour prendre charge ville parce que mairie peut pas laguer toute charge sur pouvoir central. C'est-à-dire là on mairie a plein, il besoin 50 000 gouttes, il besoin 100 000 gouttes. C'est décevant. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'un recouvrement forcé pour faire moins de pays. Et puis pour mairie, je ne comprends pas fonctionner. Nous pensons que c'est une phase que nous avons et nous avons avancé nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons préparé, nous avons préparé, nous avons parti à 100 000. Magistrat Wilson, j'ai dit, annoncé puis devant, mais il a déjà adressé un document. Côté, il a fait liste problème avec solution car avant le changement d'adresse pour la commune après 7 février 2018. Ça. Et c'est là qu'on a fait mes chapitres locaux, nous prêts à l'étranger. Et nous te disons dans grand titre, nous parlons dans le pays Italie, particulièrement dans la ville Milan, puisque grand matin, là, il y a un train qui perdit Raili. Et ainsi, dans ça, la cause, trois personnes perdent la vie, et puis il y a plusieurs centaines d'autres sorties blessées. Parmi les gens qui sont blessés, il y a 10 là-dedans qui ont été très graves. Euro News pour plus de détails.
En Italie, le déraillement d'un train régional a fait au moins 3 morts ce matin près de Milan. Il y a également une centaine de blessés, dont 10 graves. Certains ont reçu les premiers soins dans un champ à proximité. Les recherches se poursuivaient pour retrouver des passagers qui pourraient être encore coincés dans l'amas de tôle. Un problème d'aiguillage pourrait être à l'origine de cet accident qui s'est produit peu avant 7h du matin. Ce sont les wagons du milieu qui ont déraillé. À bord de ce train, de nombreux habitants de la grande banlieue milanaise qui se rendaient au travail dans la capitale économique italienne. Parti de Crémone, le train avait déjà effectué une dizaine d'arrêts. Il s'agit de l'accident le plus grave depuis la catastrophe ferroviaire qui avait fait 23 morts en juillet 2016 dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Nous arrivons dans le pays Brésil puisque le tribunal a porté allégré les confirmées condamnations contre l'ancien président brésilien qui gagnait pour les capables de passer environ 12 ans en prison pour corruption et blanchiment d'argent. Et on nous pour plus de détails. Est-ce la fin ou le renouveau pour Lula? La réponse est entre les mains de 3 juges. Le verdict de son procès en appel est attendu dans les prochaines heures au tribunal de Porto Alegre. L'ancien président du Brésil avait été condamné en juillet dernier à 9 ans et demi de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent. S'il est acquitté, l'ancien champion de la gauche brésilienne serait en position idéale en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Si sa peine est confirmée, il lui restera d'autres recours. Déjà 7h30 dans tout studio Télévision Nationale d'Haïti, il arrive le moment pour nous capables d'aller, mais avant nous dire bye bye, permettre que nous rappelons le grand point qui domine l'actualité. Président République la Jovenel Moïse a trouvé lié dans le pays Italie côté Ligue pour être capable de discuter avec Tokaya italien. Chef l'État qui quitte le pays hier mercredi a gagné avec les premières dames République la Martina Moïse, président Sénat Joseph Lambert et président Chama député Gary Bodo et puis il a gagné pour être capable de rencontrer chef l'Église catholique la Papa François dans le Vatican. Ambassade Japon, pas boy ici, tabay Haïti 5772 tonnes d'iri. Ambassade la remet à bureau monétisation aide à développement BMPADA, dont ça a hier mercredi 24 janvier. Gen entente qui joue en 4 blocs politiques qui inscrit dans bureau chama député. Bloc SAOC, APH, Vérité, OPL avec Allié Lio, GPEP et puis GPS. Yo gen pou capable départager 20 commissions entre eux d'après ça qui sorti dans la séance plénière qui déroulait mardi passé. Cependant, séance a pas trivé bout dans la chambre députée. Et puis à l'étranger, 3 moun pou pipiti mouri dans un accident train qui fait un grand bonnet matin là dans ville Milan pays Italie. Plusieurs centaines d'autres monde ont sorti blessés parmi eux il y a 10 là-dedans qui trouvaient yo dans un état très critique. Et c'est là nous mettons bout dans journal là nous t'es content ensemble avec vous t'es capable d'informer n'a prêté seulement pour capable souhaiter vous passer une très bonne journée. C'est le National d'Haïti.